blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change. Keep the change. They hate and say we went and changed. I stay the same. You must be blinded by the lights. You must be blinded by the lights. Lights. Yeah, 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 yeah. Oh. Là, je viens de me réveiller. J'ai fait une séance jambes hier. Incroyable. J'ai mal. J'ai mal. Deuxième séance jambes de la semaine. Ça s'est bien passé avec le frérot Na et Jojo. Et là, je suis mort là. Je suis mort, j'ai mal. Et j'ai faim en plus. On va sortir des pancakes au flocon d'avoine, je pense. Je pense qu'on va se faire ça. Hein. Pancakes, flocon d'avoine et allez, c'est parti. Enfin, des pancakes. Du pain perdu, qu'est-ce que je raconte? Là, carrément, je dois aller à la salle. Je sais même pas si je vais y aller. Je sais même pas si je vais y aller en vrai. J'ai trop mal. J'ai pris la cannelle, c'est la première des choses à prendre, comme ça je suis tranquille. La cannelle, c'est important. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre tous les ingrédients que tu as besoin sur la table. C'est-à-dire un œuf, lait, cannelle et les flocons d'avoine. Avec le code DAMS sur MyProtein, c'est toujours mieux, tu vois. Toujours mieux. Par contre, je vois sans goût, je sais pas s'il y a des goûts de base, mais prends sans goût, c'est mieux. Et là, les gars, je vais pas vous mentir, on est en prise de masse, j'ai fait une séance jambière, ok? Donc, faut faire les choses bien. Je suis obligé de trop prendre une telle là, je suis obligé, les gars, je suis obligé. J'ai fait une séance jambière. Et là, aujourd'hui, je vais peut-être aller à la salle, je suis obligé. En fait, le problème, c'est que quand je prends avec du bœuf de l'autre, c'est trop lourd, tu vois, c'est trop lourd. En plus, c'est en crunchy, là. Là, faut que je fasse quand même mes protéines pour le prendre en smooth. Mais en crunchy, t'as l'impression que tu manges du gravier, tu vois. Et comme j'ai fait une séance en jambes, il faut que je sois bien. Là, la salle, j'ai envie de faire de l'escalier, là. Je viens de faire un peu d'escalier, j'ai envie de faire un peu de poids de corps. Tu vois, j'ai envie de faire une petite séance cool. Je vais voir. Je vais pas faire une séance en immersion. Parce que là, je vais encore aller dans le honneur avec les musiques de disco, là. Et j'ai envie d'être mobilisé pour cette vidéo-là. Mais je vais une petite séance cool, je pense. Je pense, d'accord. Puis voilà, faut que je charge ma caméra par contre. Je sais pas si vous retirez ça, le truc blanc là. Moi, je le retire, d'accord. Je le retire et je vais te dire pourquoi. Parce que je voyais des gens le retirer sans raison et sans explication. Moi, tu vois, un jour, j'ai fait des crêpes. Et tu vois, cette partie-là, là, la partie blanche, je parle bien de ça là, tu vois. Ça là, cette partie là elle a pas cuit et ça a fait une boule, ça fait une espèce de boule et c'était tout visqueux et tout dans la crêpe. Et quand j'ai touché ça dans ma bouche, je te jure, ça m'a donné envie de tout sortir, tout. Donc je le retire tout le temps maintenant. Même recette, un œuf, une scoop, on remet un peu et après on met du lait. Une scoop, c'est largement suffisant parce que le truc, c'est que c'est des flocons d'avoine, tu vois. Les flocons d'avoine, ça va gonfler. C'est-à-dire que quand tu vas mettre un peu de lait, ça va gonfler un peu la pâte, ça va faire une petite préparation. Sachant que c'est un truc qui cale. On va pas en faire 18, on va en faire 2 ou 3, tu vois, c'est largement suffisant. En vrai, la dernière fois que j'en ai mangé 2, ça m'a mis bien. Ça m'a mis vraiment bien. Le troisième, je l'ai gardé pour après ma séance pour la petite collation. Donc, bon, on va s'en faire 2 et ce sera suffisant. Mais c'est une bonne recette, hein. Et là, je n'ai pas oublié de mettre la cannelle. Là, on commence à avoir une bonne texture. Et bien entendu, hein, là, je le fais comme ça, mais si tu as un petit blender, tu peux le mettre dedans directement. Tu le mets dedans, tu mixes et c'est très rapide. Moi, c'est juste que je ne suis pas tout seul et que parfois, je m'élève très tôt. Bon, là, ça va, il est 9h, tu vois. Mais je me lève plus tôt que ça. Il y a du monde qui dort, donc je ne vais pas réveiller tout le monde avec mon blender, tu vois. Donc, je m'habitue à le faire dans une assiette. Sachant que... de base, tu le fais dans une assiette pour mettre le pain dedans, ça fait moins de vaisselle, parce qu'après, le blender, faut le laver et tout, et à flemme. Ok, quand t'as une bonne préparation, des petites bulles qui se fait, tu vois, c'est fluide, on est bien, ça sent fort les flocons d'avoine, on va mettre le meilleur, la cannelle moulue, du croc, c'est du croc ou du cross, du croc, m'en fous, du croc, on va pas prononcer le S est silencieux, ok, allez. Bon, c'est pas grave, la cannelle, c'est bon. J'en ai pas trop mis, la cannelle, c'est bon.
Et bien entendu, c'était une personne no limite où vraiment tu veux manger diète, mais voilà, tu peux mettre un peu de sucre vanillé. Tu vois, tu peux, tout dépend ce que tu vas prendre avec. Tu vois, ou si tu veux le manger juste comme ça. C'est par exemple là, j'en fais par exemple 5-6, je mets en sachet et tout, je mets un peu de sucre vanillé comme ça aura du goût. Tu vois, mais on va foutre du Nutella là-dedans, donc pas besoin de sucre supplémentaire. Clairement, faut que je demande à mon grand frère dans ce que je fais, là, combien de grammes de protéines dans un pain perdu, là, dans un pain perdu, pain complet, flocon d'avoine, il a combien de grammes de protéines? Faut que je lui demande ça, parce que lui, il sait. Moi, je sais pas, je sais que c'est protéiné, mais au niveau de grammes de protéines, je sais pas du tout. En tout cas, ça va être bon, ça va être incroyable l'odeur, là, je sens déjà. Avec le Nutella, ça va être bon. Et les gars, je vais pas vous mentir, hein. Le dernier que j'ai fait, là, enfin, le dernier que j'avais mangé, quand il en restait un, je l'ai mangé avec du Nutella. Et c'était incroyable! C'était incroyable, c'est-à-dire que les deux que j'avais mangés avec du beurre de cacahuète, j'ai regretté. Mais ça, c'est parce que c'est un crunchy. Si c'était un beurre de cacahuète fluide, je pense que ah, ça aurait été super bon, tu vois. Mais avec le Nutella, après ma séance, j'ai mangé ça, collation. C'était une dinguerie. Donc là, je vais d'en refaire. Matière grasse, beurre, dans tous les cas, j'ai pas le choix, j'ai que ça. Hein. Je vais pas mettre de l'huile non plus, mettre du beurre, ça va être bon. On va mettre les pains dedans et c'est parti, je te montre les résultats. Quand tu le fais, faut pas hésiter à bien imbiber, à bien appuyer dessus, tu vois. Bien appuyer, le retourner, toujours chacune fourchette. D'habitude, je le fais à la main, mais là, tu connais, là, je filme. Faut bien appuyer, tu vois. Il faut que les flocons d'avoine, ils rentrent dedans, tu vois. Il faut que tu fasses un parpaing, c'est important. Et après, tu fous ça là, direct dans ça là. Sinon, je vais faire n'importe quoi. Et après, hop, tu le fous ici directement. Voilà, il en reste pas beaucoup. On va faire juste deux. Ce que j'aime bien faire après, c'est vider ça là, un peu dessus. Hop. Voilà, comme ça, on ne gaspille pas, tu vois. On est bien, quand je vais le retourner, ben, ça va cuire directement dessus, ça fait une petite pâte cool. Donc on fait ça, on est bien, on attend un peu et c'est parti. Parce qu'en fait c'est du pain complet, le pain complet c'est sec. Et le pain il est pas con, tu vois, il y a la matière dessus, il va l'absorber direct. Et il aime ça, il aime ça, il aime ça. Et comme c'est sec, ça va être très moelleux, ça va être bon, ça va être tendre. Et avec le Nutella, ça va être intéressant à manger, tu vois, c'est important. J'ai trop chauffé mon café. Je sais pas pourquoi le café ça chauffe vite. Je l'ai mis 30 secondes, il était même pas chaud. Regarde la fumée. Je vais mettre du lait dedans. Bon les gars, je suis en train de lire les commentaires sur YouTube, sur l'iPad, et j'ai reçu un commentaire incroyable de newsletter que j'ai répondu d'ailleurs. Il m'a dit salut. Sache que je t'ai connu et que je me suis abonné exclusivement grâce aux entraînements en immersion. Ça me motive et je réalise les séances en même temps que toi. Pour ce qui concerne la musique en fond et la démonétisation de tes vidéos, tu devrais peut-être tester un format où tu te filmes au fond de la salle. Sans parler, comme ça tu pourrais te focus avec ton casque et ensuite faire des montages en voix off. Exemple, tu parles quand c'est le moment de l'exo. Pour nous motiver, tu mets un chrono en temps réel pour les moments de pause avec une petite musique libre de droit. C'est le montage qui serait légèrement plus long, mais ce serait un truc à tester. On lâchera. Merci pour les vidéos. Merci pour ton commentaire. Merci, merci beaucoup. Et je lui ai dit concrètement que merci hein, pour son retour, j'ai remercié. Et ça fera que je vais tester tout de suite. D'accord? Là, il est 11h36, donc normalement, il n'y a pas beaucoup de gens à la salle. Normalement. Donc, c'est un truc que je peux tester. Donc, je vais voir ça à la salle. Ça peut être intéressant. C'est pour ça que je vous kiffe, la commu. C'est pour ça que je vous kiffe. Vous avez toujours des bonnes idées, toujours des bons trucs. Vous motivez énormément, vous vous rendez pas compte. Mais moi, peut-être que je vous motive à faire du sport, à rigoler un peu, partager des trucs. Mais vous aussi, c'est un travail d'équipe. C'est important. Vraiment. Oh, je me rends compte d'un truc incroyable. En fait, il y a 1 heure, je devais partir à la salle parce que mon bus venait dans 13 minutes. Et comme je ne l'ai pas attendu 13 minutes, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais il y a 1 heure qui sont passées. Je crois que j'allais à la salle à pied. Ouais, je pense. Mais en fait, j'ai dit que j'allais à pied, mais j'attends le bus. Ouais. Il vient dans 12 minutes cette fois-ci. Vraiment dans 12 minutes. Et je vais l'attendre 12 minutes parce que marcher 20 minutes pour aller à la salle, sachant qu'il y a une porte, je ne pourrais pas. Donc, on va à la salle en bus et on va rentrer à pied. Try to ball, now I never fall.
l'équipe, je suis rentré de la salle, je me suis endormi direct. Je me suis endormi direct. Je suis rentré sieste. C'était trop. Jack, la 100 jambes d'hier, c'était incroyable. On a fait les jambes avec Joe, on s'est arraché les jambes, on s'est fait mal. On a fait du leg extension, on a fait un peu de squat, on a fait de la presse, on a fait des fentes. Dans tous les cas, là, je vais te montrer là. Some fake that who gon' hurt this? I naughty night you lullaby. I'm doing me, it's do or die. You must be blinded by the lights. We came to shine here. Watch it look daytime in the night. We bring the vibes here. We full of life, you keep the change. Keep the change. They hate and say we went and changed. Why stay the same? You must be blinded by the lights. Et là, je sais pas, là, je me suis réveillé dans un mood où, tu vois, je suis KO, je suis fatigué, j'ai des doutes sur les projets et tout, mais ça fait ça à chaque fois, tu vois, quand tu te réveilles et t'es pas content, tu vois déjà ta faim, t'es pas content, tu te dis est-ce que ce que tu fais c'est bien et tout, est-ce que t'es sur la bonne voie, et c'est pour cela que ça commence à m'énerver, tu vois, mais on va continuer à bosser, continuer à faire les choses bien, parce que c'est important. Mais là, j'ai fait une bonne séance. Hein. J'ai fait une bonne séance de biceps aujourd'hui. De biceps, une séance en semi-immersion, comme on avait avec le commentaire du frérot. Par contre, j'ai pas pu faire exactement ce qu'il voulait, dans le sens où les temps de repos, je les ai pas filmés en entier, tu vois, avec les chronos et tout. Parce que je pouvais pas hein, filmer 2 minutes en temps de repos, sachant qu'il y avait un peu de monde dans la salle. C'était compliqué, mais. Je pourrais faire une belle petite vidéo semi-immersion. Ça pourrait être bien, ça pourrait être cool. Sachant que j'avais une bonne condition physique, des belles petites perfs, et je me sens plutôt bien. En même temps, on a mangé du Nutella aujourd'hui, donc on peut que faire des perfs. Mais sinon, je ne dis pas plus. Là, je vais monter le petit vlog tranquillement. Je vais le préparer, comme ça il sera prêt. Et tu vas kiffer. En tout cas, ouais, là, faut que je prépare mes affaires pour demain parce que j'ai un tournage demain professionnel. Donc, faut que je prépare ma caméra, les lumières, faut que je fasse l'inventaire de ce que je ramène. Tu vois, c'est ça le travail, malheureusement. En tout cas, j'espère que tu as kiffé ce petit vlog. Je vais te laisser ici. Si c'est le cas, mets un petit j'aime, un commentaire, c'est important, d'accord? Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Il y a plein de projets qui arrivent, plein de projets qui sont là. Et on est actif, d'accord? Donc c'est important, ok? Et moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.